Ils viennent de tous les arrondissements de Brazzaville. Ces jeunes désireront apprendre un métier. Sensibilisés par l'association Bumamoto, ils seront formés sur les métiers qualifiants, notamment la soudure, la menuiserie, la conduite et bien d'autres. L'objectif est d'insérer un maximum de jeunes dans la société afin de diminuer le taux de délinquance au Congo. Nous nous inscrivons pleinement positif à l'appel solennel lancé par le président de la République qui a dédié cette année, année de la jeunesse, et le cercle de réflexion en tant qu'association d'appui aux actions du chef de l'État. Nous nous sommes adhérés à cette logique et aujourd'hui, 11 août, nous lançons les préludes, les ateliers de préludes à l'ouverture du centre de formation Julien Guesso Poroporo, un centre dédié totalement à la jeunesse. Et à ce jour, nous avons inscrit 2000 jeunes qui seront repartis à deux vagues en fonction des modules de formation que nous présentons. Nous sommes une association. D'abord, nous fonctionnons à base des dons et legs et cotisations des membres. Nous avons une ferme assurance que nous allons réussir ce projet. Une initiative saluée par ces jeunes qui espèrent voir la matérialisation sans embâche de cette formation devant aider ceux qui ont l'engouement d'embrasser une carrière professionnelle et de s'auto-prendre en charge. L'initiative est louable parce que, bien évidemment, tout jeune est appelé à se former. Et donc, nous voulons saluer éventuellement l'action de cette association qui a bien voulu mettre en place éventuellement un centre de formation pour former les jeunes aux différents métiers. La salle était archi-comble. Donc c'est pour dire que la jeunesse aujourd'hui veut se former. Je suis être comptable. Comme l'opportunité s'est présentée, je n'ai pas voulu mettre la résistance là-dessus sans pourtant me précipiter à prendre part à cette formation. Et je souhaiterais également qu'après cette formation, que nous ayons des suivis là derrière. Ça, c'est vraiment le soin le plus préoccupé dans tout ça. Ce projet de formation est un bon espoir pour ces jeunes qui vont participer à cet apprentissage dès le mois de septembre.